Bonsoir, mes Verseaux, comment allez-vous? C'est Nati. Donc là, on va regarder pour la fin d'avril. Donc là, elle est valable jusqu'au 30 avril, même un petit peu après, puisque les énergies sont toujours en mouvement, hein. Donc prenez que ce qui vous parle, vu que c'est une générale. Il faut que ça vibre. Si ça ne vous parle pas, il y a d'autres vidéos et il y en aura d'autres. On vous dit, la vie ne s'arrête jamais. L'esprit supporte tout. Donc, peut-être il a fallu supporter certaines choses ou on supporte certaines choses, mais la vie, elle ne s'arrête jamais. Elle continue, hein, d'accord? C'est comme les énergies, elles sont en permanence en mouvement, hein. Mais peut-être qu'il a fallu ou supporter quelque chose, une attente, ou supporter quelqu'un ou quelque chose, hein, d'accord? On vous dit aussi, la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui, vous en avez besoin. D'accord? Et on vous dit, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Donc, vous allez recevoir quelque chose. Vous allez recevoir quelque chose. On va vous accepter. Vous allez avoir une bonne nouvelle, vous le méritez, donc recevez-le et soyez en gratitude tout simplement. Voilà, on va pas les mettre trop loin, j'en ai besoin pour après pour les autres. Allez, une carte s'il vous plaît, celle-ci. On vous dit une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon, avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Waouh, génial. Là, on parle d'occasion, d'opportunité, de bonnes nouvelles. Et vous allez être enthousiaste. Enthousiaste, oui. Vous allez être contente. Et avancement professionnel ou alors une transformation. En tout cas, on parle de bientôt, là, dès maintenant, on parle, hein. Donc, en fait, on parle d'une belle nouvelle. L'as de feu, vous reprenez du poil de la bête. Vous allez être dans l'action. Ça peut être aussi qu'on trouve un nouveau travail, l'as de feu, ou on redémarre ou quelque chose comme ça, hein. Après, vous pouvez être à votre compte aussi, hein. Mais il y a une bonne nouvelle et vous allez être enthousiaste. Vous allez être vraiment dans la joie. On vous parle aussi entreprise familiale. Il y en a certains de vous, vous travaillez en famille. Ça peut être les parents, les enfants. Ça peut être frère et sœur, frère, sœur, sœur, papa, le papa et la sœur, la maman et sa fille. Enfin bon, bref, vous m'avez compris, on parle de ça aussi. Donc, d'ici un mois et demi peut-être. Donc, peut-être vous allez vous lancer à votre compte ou alors d'ici un mois et demi, peut-être que ça va marcher mieux. Il y aura justement, ça va bouger, les affaires vont bouger, hein. Pardon. On vous parle d'un retour. Ouais, vous avez une réponse ici positive, hein, d'accord? Vous avez une réponse positive. On parle de contrat, d'engagement, de signature, de d'accord. Vous voyez, il y a les mains là, ils sont d'accord. On trouve un accord. Donc, vraiment, on va de l'avant, hein, ça rejoint. Hein. Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Celle-ci, non. Jésus-Christ. Alors. Jésus-Christ, je prie pour recevoir l'aide de Jésus-Christ et ses conseils dans cette situation pour certains et certaines de vous. Parce que Jésus peut vous aider. Soyez bénis. En tout cas, il y a des prières qui ont été faites, qui ont été demandées à Jésus et Jésus va intervenir dans une situation favorable ici, d'accord? Confiance, on vous parle de confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant.
Donc en fait, il y a une prière qui va être exaucée dès maintenant. On parle de sage, de sagesse, d'amour infini et de confiance, hein. Vous avez confiance en Dieu, en vous, peut-être aussi en famille, ici, quelqu'un prie pour vous. La foi, j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. L'honnêteté, je suis en contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Ok, ben en fait, il y aura la justice divine par rapport à quelqu'un, peut-être qui est dans une situation par rapport à des conflits, par rapport à des désaccords, et c'est vous qui allez avoir, puisqu'il y aura la vérité, et c'est vous qui allez avoir raison, d'accord, de cette situation, en fait. Vous êtes que gagnante là et gagnant, d'accord? C'est très très positif, hein, je vous assure. Hein. Je ne sais pas à qui je m'adresse, j'espère que je m'adresse à plusieurs versos, je vous le souhaite de tout mon cœur. On vous parle guérisseur. Vous avez peut-être fait appel à un guérisseur aussi, parce que quelqu'un qui prie, quelqu'un qui médite, quelqu'un qui. Voilà. Guérisseur de la prospérité. Cette personne, peut-être que, voilà, c'est pour que, parce que là, il n'y a que de la prospérité ici, on a une bonne nouvelle, on a un avancement, il y a une nouvelle et vous êtes enthousiaste, elle est enthousiasmante, il y a une avancée, il y a une prière qui est exaucée. Donc, on parle de guérisseur de la prospérité, d'accord? Et vous êtes une personne à part. Peut-être que c'est vous le guérisseur ou la guérisseuse, ou alors vous avez fait appel à un guérisseur ou une guérisseuse. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Franchement, ça décrit bien les Verseaux. Hein. C'est le moment d'évoluer professionnellement encore. Hein. Regardez, avancement professionnel. Hein. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille, à ne pas négliger votre famille ou vos amis, hein, d'accord? Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons ou pour le dessin, la décoration ouverte et mature, hein, d'accord? Donc voilà. Et on vous parle d'organisation, organisez-vous, vous avez des projets. Et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline aussi. La clé de la réussite, savoir allier la créativité et la logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée, à vous adresser à un mentor, hein. Quelqu'un qui est prompt, quelqu'un qui est capable de vous conseiller, hein, d'accord? Quelqu'un qui peut vous prodiguer les conseils. Hein. N'oubliez pas votre famille non plus, hein, parce que vous pourriez être, comment vous dire, travailler beaucoup, 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 et avoir plein d'idées, puis travailler beaucoup aussi, et mettre de côté les amis, la famille. Non, non, il faut s'organiser, et puis il y a un temps pour tout, hein, comme on dit, hein. Et on commence la pyramide. Ici, vous allez attirer de l'argent par rapport à un projet qui est en gestation. Vous ne l'avez pas encore mis sur pied ou il manque certaines choses. Hein. C'est pour ça qu'il faut vous organiser. Mais dans ce cas de figure, le diable, il est en positif, vous voyez. Donc, vous allez attirer à vous l'abondance, d'accord? Par rapport à un projet, un travail, hein, quelque chose qui est vraiment en gestation, quelque chose qu'il faut justement, elle n'a pas encore accouché. Donc en fait, il faut organiser, il faut bien le ficeler, il faut qu'il soit bien, faut qu'il y ait tout ce qu'il faut quoi.
Vous allez être as de bâton. L'as de bâton, il est dans l'action, d'accord? C'est ce que vous désirez. L'action d'attirer encore une fois l'argent. Cet argent, cette abondance, hein, d'accord? Parce que vous inspirez aujourd'hui à mieux. Vous avez compris que vous méritez l'abondance, hein, d'accord? Ici, ce qui ne va pas, en fait, et ce qui n'irait pas, en fait, c'est de laisser de côté la famille ou un enfant, d'accord? Alors, après, c'est possible ici que j'ai un avortement ou une fausse couche, je suis désolée, hein. Ou alors, on pense abandonner l'enfant. Donc, moi, je ne juge pas, c'est ce que j'ai, hein. Après, j'ai grossesse, naissance, félicitations, par contre. Ici, en fait, il y a besoin... Ici, vous avez besoin de... Je vais faire comme ça. Restez pas nostalgique du passé. Restez pas nostalgique, par exemple, si vous avez laissé passer des occasions, voilà, si on a raté le train, comme on dit, hein, d'accord. Mais il est possible, j'ai autre chose ici. J'ai quelqu'un qui est dans la joie. J'ai quelqu'un qui a atteint l'illumination, qui a obtenu quelque chose. Et votre famille, elle est comme ça. Votre famille, elle est inerte. Il n'y a pas de félicitations, de joie, de bonheur. Au contraire, vous, vous êtes dans l'action. Et puis, c'est ça qui vous coupe. Et donc, en fait, n'écoutez pas votre famille. Et si votre famille ne vous dit pas félicitations ou ne vous montre pas et vous le sentez, parce que là, c'est des ressentis aussi, hein. Vous sentez que la famille, elle n'est pas contente parce qu'on vous jalouse. Mais vous, dites-vous que vous ne changerez pas votre famille ou un membre de la famille. Vous ne le changerez pas, vous ne les changerez pas. Et vous, bah, occupez-vous justement de grimper ces escaliers pour la suite, d'accord? Parce qu'on peut vraiment, on a quelque chose en gestation ici, hein. Après, ça peut être la famille qui prend très mal la grossesse, hein. Ça peut être des parents parce que vous êtes trop jeune, des choses comme ça, hein. On peut parler de ça, hein. Ouais, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la nouveauté. Alors, on peut rencontrer une belle personne, on est attiré. On peut très bien trouver un nouveau emploi, un nouveau poste. On peut très bien trouver une nouvelle créativité. On peut trouver... on trouve quelque chose et enfin... On est content, on est contente, on va mieux, on va sortir aussi d'une nostalgie et d'une attente aussi, hein, d'accord? Ça y est, on a la paix intérieure, on se sent fier, on se sent bien, on se sent zen aussi, il y a la bonne nouvelle ici. Vraiment, on parle de bonne nouvelle, hein, d'accord? Oh là là, c'est le cœur tellement la coupe, elle est pleine que ça déborde de bonheur, de joie, hein, d'accord? C'est bien, c'est bien. Voilà, c'est la fin de la souffrance, c'est la fin de l'attente, hein, d'accord? C'est vous allez vers la renaissance, mes amis, hein. C'est bien. Mais c'est pas fini pour vous, hein. Vous allez vers la stabilité et vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez de la vitesse, votre vie aussi, vous êtes dans l'action, d'accord? C'est la justice équitable aussi, hein, d'accord? Donc, on reprend l'équilibre, justice est faite. Ici, vous avez une très bonne nouvelle encore une fois. Vous êtes dans les échanges, dans les communications et vous reprenez de la stabilité, de la sécurité petit à petit. Et vous allez comme ça, vers ça, hein, de toute façon. Et certains, vous allez vers l'abondance. Vous avez compris que l'abondance, bah, c'était pas diabolique, qu'au contraire, c'était... On a où le pape ici? Le gardien sacré. Vous avez compris
que sur cette terre-là, il fallait pas idolâtrer l'argent, le matériel. On n'en portera rien, c'est sûr. Mais peut-être que nos enfants, on leur laisse quelque chose et ça serait bien. Voilà, toujours hein, de leur laisser si on peut, bien entendu. Mais aussi, vous avez compris que c'était pas diabolique. Cette fois-ci, vous avez réfléchi, vous avez compris que ça venait aussi du ciel, vous voyez, de l'univers. De toute façon, l'univers, il sait combien il va vous donner, hein, d'accord ? Donc, mais c'est la fin des attentes et vous avez une réponse, vous avez des bonnes nouvelles. Après, ça peut être au niveau de la justice aussi pour d'autres personnes, d'autres c'est par rapport au travail, hein, on le voit bien. Et certains de vous, peut-être vous vous lancez à votre propre compte et d'autres peut-être en famille, peut-être, je vous ai dit, entreprise familiale ou alors seul à votre propre compte aussi, hein. Ça peut être auto-entrepreneur, libéral, ou alors vous allez le faire avec un enfant, ou alors votre enfant, ou qui est grand, hein, ou alors avec un frère, une sœur, les parents, ça dépend. Mais il y a un beau retour ici, hein, d'accord ? Il y a une réussite, une réalisation, il y a une très très bonne nouvelle, hein, et ça vous met en joie. Alors, mes couples, qu'est-ce que j'ai ? Prenez que ce qui vous parle, bien entendu. Mes couples, déménagement, d'accord ? Déménagement, papotage, conversation. Alors, il y a quelqu'un, il y en a un des deux, à cause d'une tierce personne, d'accord, qui est partie, d'accord. Du coup, on est... j'ai deux cas de figure. Soit c'est vous, vous avez arrêté avec une personne, c'est terminé parce qu'elle ne vous correspondait pas. Et donc, du coup, c'est fini et vous êtes bien, voilà. Soit il y en a un des deux qui est parti, d'accord, pour une autre personne, et vous vous renfermez sur vous-même, vous restez entre quatre murs, donc c'est ce qu'on vous dit, et peut-être que vous allez en parler à une personne, et vous ressentez hein, de toute façon beaucoup de choses, d'accord, c'est ce qu'on vous dit. Vous ressentez qu'il arrive... Et vous pensez à voyager. Certains de vous, vous pensez à partir, à voyager, d'autres à déménager. Et parce que la personne, elle ne vous correspond plus ou parce qu'elle vous a trompé aussi, parce que j'ai cette tierce personne. Et peut-être que cette tierce personne, elle va essayer de vous demander pardon, de vous dire pardon, excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès, des choses comme ça. Après, le ressenti, c'est à vous de... Apparemment, vous en parlez avec quelqu'un. Vous avez besoin de conseils, d'être entendu. Et c'est à vous de prendre votre décision, de voir qu'est-ce que vous faites. Pour d'autres, j'ai quelqu'un. Vous avez découvert la triangulaire ou vous allez la découvrir. Et il y en a un des deux qui quitte l'autre. Hein, c'est ce que j'ai, hein, d'accord ? Mais vous le ressentiez de toute façon. Et vous ressentiez aussi que cette personne, elle vous isolait, elle vous laissait à la maison, par exemple, entre quatre murs, et qu'elle vous tournait le dos, qu'elle avait changé cette personne. Et du coup, peut-être que vous êtes même tombé sur les factures de fleuristes, des choses comme ça, d'hôtels, de palaces ou de voyages aussi, hein, de week-ends, des trucs comme ça, la sexualité... Bon, il va falloir dépasser ça. Et j'ai quelqu'un, non, hein, c'est vous qui quittez la personne, elle ne vous correspond pas, ou c'est la personne qui vous quitte parce qu'elle estime que vous ne lui correspondez pas. Mais célibataire, qu'est-ce que j'ai ? Laissez partir votre ex, mais célibataire. C'est vrai, ça a été karmique, torride, hein, d'accord ? Vous vous en souvenez, mais on vous dit laissez partir cet ex. Il y a encore de la dépendance par rapport à un ex ou une ex, ou alors c'est votre ex, une ex ou un ex qui a de la dépendance vis-à-vis de vous, hein, d'accord ? Laissez-vous aider, vous avez besoin d'aide.
L'alchimie. Il y a des restes vis-à-vis de quelqu'un, d'un ex hein, ou d'une ex. Soit vous, soit lui, soit elle. Hein, d'accord? Vous adaptez. Hein. Ah, le voyage, vous partez. Hein. Et pourtant, l'amour véritable, et vous pourrez aimer sans crainte, se trouve avec une nouvelle personne, un amour véritable. Cette personne, elle n'a rien à voir avec une ex ou un ex, hein, d'accord? Cette personne, elle diffère de la personne que vous avez l'habitude. Vous allez flirter, mes célibataires. Vous allez flirter, vous allez offrir vos énergies de légèreté aux autres, hein, d'accord? Vous allez avoir envie de plaire, de séduction, de séduire l'autre. Mais tous les deux, hein. Donc ici, il y a rencontre, il y a bel et bien rencontre. On va se charmer, on va se chercher, on va se séduire. Donc voilà. Par contre, ici, même si s'il y a encore des restes, parce que vous vous remémorez aussi hein, les souvenirs et tout ça, eh bien, on vous demande de qu'on vous aide et de laisser partir un ex. Et de vous faire aider, hein, d'accord? Pour d'autres, je pense que du coup, comme il y a une rupture, vous ressentez le besoin, mes célibataires, de partir en voyage, en vacances, d'accord? Et pour certains, bah, vous allez rencontrer une personne et vous allez vous occuper aussi de vos problèmes. Hein. Pour certains... pendant votre célibat, vous allez vous occuper de vos problèmes, vous allez prioriser, certains de vous, vous allez prioriser vos problèmes, et puis les problèmes de la famille aussi. Hein. Et pour d'autres, en fait, vous allez partir en week-end, vous allez démarrer par la discussion et tout ça, mais vous allez flirter avec une nouvelle personne. Hein. C'est ce que j'ai. Hein. On a le flirt ici. Hein. Ouais, vous allez démarrer la relation pour certains de vous, je le vois. Cette personne, il y a l'alchimie. C'est puissant, c'est fort. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bon week-end. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation, vous avez mon site natinatura.com. Bisous.